Bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer trois réglages que vous allez faire sur votre téléphone pour économiser votre internet mobile. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, appuyez là pour aimer la vidéo, partagez à vos amis sur Facebook et WhatsApp. Et si c'est votre première fois d'être là sur ma chaîne, appuyez là pour vous abonner, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci. D'abord pour commencer, si vous utilisez beaucoup YouTube ou souvent YouTube, vous allez d'abord sur YouTube. Premier réglage. Ensuite, vous allez sur la photo. En haut à droite. Ensuite, vous allez en bas, vous verrez Paramètres. Vous allez sur Paramètres. Ensuite, Paramètres généraux. Ici, vous allez en bas, vous verrez Limiter données mobiles, lire en streaming les vidéos achetées via Wi-Fi uniquement. Vous venez là, vous cochez. Cette option veut dire quoi? Normalement, quand vous jouez une vidéo sur YouTube, YouTube vous laisse voir la vidéo en HD, ce qui consomme beaucoup d'Internet. Donc, si vous activez cette option, vous dites à YouTube de ne vous laisser voir des vidéos en HD que seulement que si vous êtes connecté à un Wi-Fi. Donc, si vous n'êtes pas sur Wi-Fi, si vous utilisez vos données mobiles, vos vidéos ne seront pas en HD et cela vous permettra d'économiser vos données mobiles. Deuxième réglage, vous allez sur Facebook. Vous savez que de nos jours, nous utilisons beaucoup Facebook. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, je n'utilise pas de Wi-Fi, mais mon internet mobile. Avant de commencer, je vais vous montrer un exemple. Vous savez que, par exemple, quand on défile sur Facebook, comme ça, et qu'on rencontre une vidéo, la vidéo se joue automatiquement sans qu'on clique dessus. Vous voyez, cette vidéo se joue automatiquement. On continue de défiler, une deuxième vidéo qui se joue automatiquement. Vous voyez, chaque vidéo qu'on rencontre se joue automatiquement sans notre avis. Et tout ça consomme notre Internet. Ce que nous allons faire de sorte que les vidéos ne se jouent plus automatiquement quand on défile sur Facebook. Pour ça, vous allez en haut à droite sur les trois barres. Ensuite, vous allez sur Paramètres et vie privée. Ensuite, vous venez là, vous verrez Économiseur de données. Économiseur de données, vous activez là. Toujours désactiver l'économiseur de données en Wi-Fi. Après avoir activé l'économiseur de données, vous pouvez tranquillement fermer votre application Facebook. Comme ça. Ensuite, vous pouvez la réouvrir. Et lorsque vous défilez sur Facebook, et que vous rencontrez une vidéo, vous verrez que la vidéo ne se jouera pas automatiquement. Vous voyez? Deuxième vidéo, ça ne se joue pas. Troisième. Voilà, la vidéo se jouera seulement que lorsque vous cliquez dessus ou lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi. Troisième et dernier réglage, vous allez dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans Connexion. Ensuite, vous allez dans Utilisation des données. Après, vous allez dans Utilisation des données mobiles. Ici, vous verrez toutes vos applications. Vous savez, certaines applications consomment de l'Internet en arrière-plan, même quand vous ne les utilisez pas. Donc, ici, vous allez faire de sorte que ces applications arrêtent de consommer de l'Internet en arrière-plan. Pour ça, vous venez là, vous choisissez l'application, par exemple. Comme ça, cette application. Ensuite, vous venez là, vous verrez Autoriser utilisation données arrière-plan. Vous voyez que c'est activé. Vous faites désactiver. Donc, à partir de là, cette application Google Play arrêtera de consommer mon Internet en arrière-plan. Mais ne faites jamais ça avec WhatsApp parce que WhatsApp a toujours besoin d'Internet en arrière-plan pour que vous receviez vos notifications et messages. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Bye bye.